Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une pratique guidée de l'EFT appliquée pour les animaux. J'entends par là en priorité vos animaux de compagnie, voire peut-être des animaux dont vous êtes proche, hein, donc chien, chat, peut-être un cheval. Alors pourquoi je propose cette pratique? Bah déjà de base parce que moi depuis 2019 j'anime des journées de formation au sein de Eden Academy. C'est une école pour comportementalistes animaliers, éducateurs canins, créée par Camille Génicelle. Si vous êtes fan de ce genre de pratique, je vous invite vraiment à découvrir son centre, son site web, ou des personnes qui ont été formées par elle. Moi, en tout cas, chaque retour que j'ai des élèves, ils sont vraiment extrêmement satisfaits de ce qui se passe au sein de cette école, de cet endroit où ils sont formés. Enfin, voilà, c'est chaque... bah, comme pour tout, hein, comme pour l'accompagnement humain, c'est aussi un style qui va parler à certaines personnes plus qu'à d'autres, et c'est tout à fait normal. En tous les cas, moi, je suis spécialisée dans une sorte d'animal particulier, en l'occurrence l'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'anime ces journées de formation, je vois vraiment de plus en plus de parallèles, d'interactions, d'interconnexions entre les humains et les animaux, d'où le fait que je vous propose cette vidéo. Petit point de rappel ou de précision au cas où, les animaux, ils ont leurs propres émotions et ils sont, comment dire, ils sont aussi, ben on est tous interconnectés hein, entre humains et les animaux sont aussi connectés à nos propres émotions. Et d'autant plus les animaux avec qui l'on vit, hein, quand on a un ou plusieurs animaux de compagnie. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte leurs émotions. Et donc la technique de l'EFT, sa toute première application, donc EFT en anglais Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, hein, c'est un outil de gestion des émotions en quelques mots, hein. Qui est basé sur la stimulation, le plus souvent par tapotement, de points qui correspondent à des points d'acupuncture, et ça aide à apaiser l'émotionnel. En premier lieu, donc, pour des humains, et ça peut aussi s'appliquer dans certains cas pour les animaux. Je précise que cette méthode, au même titre que d'autres en réalité, hein, n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Mais le pire qui puisse se passer, c'est rien du tout, c'est que ça ne change rien à un problème. Mais le mieux qui puisse se passer, c'est que ça aide à apaiser quelque chose pour soi ou pour un animal, voire même dans certains cas, même assez fréquemment, enfin moi en tout cas, je le vois ne serait-ce qu'en pratique sur moi-même ou auprès de plein de personnes que j'accompagne en cabinet, ça aide vraiment à dépasser potentiellement complètement une problématique, c'est-à-dire une problématique où toutes les problématiques qui y sont liées, qui y sont connectées, c'est-à-dire en termes de comportement, de schéma répétitif, de pensée négative, etc. Et donc c'est là qu'on en arrive à l'application de l'EFT pour les animaux. Donc en quelques mots, on peut soit... donc quand on a un animal de compagnie qui est le sien, ou un animal dont on est proche, hein, qu'on voit dans notre entourage, on peut tester, je dis bien tester, sans garantie que ça marche, mais ça mérite néanmoins d'être testé, parce que je vous dis, il n'y a pas de risque, au pire, il ne se passe rien, et au mieux, ça aide, ça libère. On peut donc tester l'EFT, soit directement sur l'animal en question, si vous sentez qu'il est OK. Si l'animal en question, si ce n'est pas votre animal à vous, je vous invite en premier lieu d'abord à vérifier, à avoir l'accord de la personne qui est l'humain hein, de l'animal, qui est propriétaire de l'animal, de vérifier auprès de cette personne qu'elle est OK sur le principe, qu'elle est d'accord que vous testiez une méthode, en l'occurrence ici l'EFT, sur elle. S'il s'agit de votre animal, il n'y a pas besoin d'avoir l'accord. Donc, de préférence, la technique par procuration que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est celle que je vous invite à appliquer en premier lieu. Juste petit aparté au début, au cas où, sachez que vous pouvez aussi tester, non pas par procuration, mais de tester, de stimuler quelques points d'EFT directement sur votre animal, sur l'animal,
si vous sentez qu'il peut être partant pour la démarche. Hein, vous allez le sentir de toute manière. L'EFT directement sur un animal, eh bien, c'est... de autres petites apartés, si vous voulez en savoir plus sur l'EFT, hein, de base sur ce que c'est, au-delà du cours descriptif que j'en ai fait, je vous invite à suivre ma pratique vidéo guidée que vous trouverez en lien de cette description. Vous pouvez en savoir plus aussi dans plein d'autres vidéos, plein de sites web, consulter un praticien certifié en EFT, moi par exemple, ou plein d'autres évidemment, ou consulter des livres tels que les livres de Jean-Michel Guret ou d'autres qui sont très très bien. Selon ce qui vous correspond le mieux. Et donc, on en revient à nos moutons. L'EFT sur les animaux, on peut donc stimuler quelques points de la ronde de l'EFT directement sur un animal. Donc, imaginez, je suis un animal et que là, c'est votre main à vous. Eh bien, vous pouvez stimuler par acupression, donc par doux massage, comme ça, douce pression du bout des doigts, de manière circulaire, comme ça, le sommet de la tête de l'animal en question, comme ceci, en énonçant à voix haute quelques éléments de la problématique de l'animal. Donc les points qui pourront être stimulés seront ceux-ci, et les points qui vont être autour des yeux de l'animal, comme ceci, en douceur, les points autour des yeux. Donc en EFT, ces points, sommet de la tête, début du sourcil, coin de l'œil, et sous l'œil, voilà. Et donc, alors, dans quel cas appliquer la stimulation de ces points ou la pratique par procuration, eh bien c'est pour tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. L'émotionnel, j'entends par là l'émotionnel que peut vivre un animal lui-même et qui va se caractériser par une peur par exemple ou par un comportement. Donc tout ce qui est relié de manière plus ou moins directe ou indirecte à une problématique émotionnelle. C'est un problème de comportement chez un animal. Si l'animal a été traumatisé par une expérience, vous pouvez aussi tester cette technique. Si l'animal a aussi un problème de santé, vous pouvez aussi tester cette technique. Je précise à cet endroit-là, quand il s'agit de la santé, bien sûr qu'on n'est pas du tout en remplacement du médical ou d'un vétérinaire, on est en complément. Hein. Donc voilà, problématique émotionnelle, comportementale, trauma, problème de santé... Vous pouvez tester pour l'animal. Autre chose, et c'est là où c'est pour ça que je disais qu'on est tous interconnectés entre êtres humains et aussi avec les animaux, c'est que les animaux, donc ils ont leur, tout comme les enfants, hein, qui sont à certains endroits des éponges émotionnelles de leurs parents ou d'autres personnes de leur entourage, eh bien les animaux aussi sont des éponges émotionnelles, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs. Donc ils vivent leurs propres émotions. Et assez souvent, ils peuvent aussi être le reflet, le miroir d'émotions ou de comportements qui se passent, qui sont liés à ce qui se passe dans leur entourage, en fait. Donc, c'est important de prendre ça en compte, d'accueillir ça potentiellement. Donc, s'il y a un problème, j'en sais rien, un problème de santé, quelqu'un qui ne va pas bien dans son entourage à l'animal, j'en sais rien, un conflit familial, un conflit dans le couple, une séparation, un déménagement, ou que sais-je encore, eh bien, ça peut jouer sur les comportements, l'émotionnel de l'animal. Donc, on peut tester de faire une pratique d'EFT, donc soit directement sur l'animal avec les points que je vous ai montrés, ou soit la pratique par procuration, que je vous recommande plutôt en premier lieu, si besoin. Voilà, pour les applications principales de l'EFT pour les animaux. Donc, comme je vous disais, première application possible, celle comme ceci directement par acupression sur l'animal. Deuxième application possible de l'EFT pour les animaux, eh bien, c'est ce qu'on appelle par procuration. Par procuration, ça veut dire qu'on va faire soi-même un tapotement des points dits de la ronde de base de l'EFT, que vous retrouvez aussi dans ma pratique vidéo guidée à moi, de l'EFT, en premier lieu appliqué sur les humains, on peut l'appliquer sur les animaux. Par l'EFT, c'est-à-dire qu'on va donc tapoter les points de la ronde de base de l'EFT en imaginant être nous-mêmes l'animal en question, l'animal sur qui on traite une problématique. Et on va répéter des bouts de phrases en disant « je » comme si on était nous-mêmes l'animal en question. Alors ça peut surprendre un petit peu
voire faire sourire parfois au début. Et, mais l'idée, c'est de jouer le jeu. On ne cherche pas d'ailleurs à savoir, vous allez voir, si c'est vrai ou si c'est faux, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui nous vient. On fait juste confiance à l'expérience. On reste connecté à l'animal par notre intention, par notre imagination, et on voit ce qui se passe. On fait vraiment confiance à l'expérience. Il n'y a rien de plus à chercher. C'est donc, on sort vraiment du purement rationnel. On fait confiance à l'expérience. Encore une fois, je vous l'ai dit, au pire, il ne se passe rien. Au mieux, ça change véritablement quelque chose. Et c'est là tout l'intérêt vraiment de tester cette pratique. Donc, si vous voulez tester là, dès maintenant, l'EFT par procuration sur un animal, je vous invite à vous installer dans un endroit calme, isolé, où vous n'allez pas être dérangé pour cette expérience. Je vous dis, on va au-delà du purement rationnel dans cette pratique. Donc sachez que soit l'animal peut être avec vous pour cette pratique, ou pas du tout avec vous, c'est-à-dire pas dans la pièce où vous vous trouvez, ou même carrément pas dans la même ville. Peu importe, ce qui compte, c'est la force de votre intention de vraiment jouer le jeu pendant que vous allez tester cette expérience. Donc, choisissez un endroit au calme, isolé, avec ou sans l'animal. Asseyez-vous confortablement. Si l'animal n'est pas avec vous, pourquoi pas avoir une photo éventuellement de l'animal. Mais pas nécessairement non plus. En tous les cas, une fois que vous êtes bien installé, je vous invite les yeux ouverts ou fermés, comme c'est mieux pour vous, de vous connecter à l'animal en question, qu'il soit là ou non avec vous, à vous connecter à lui, à vous connecter par la force de votre intention à cet animal. En PNL, programmation neurolinguistique, on dirait par exemple de vous synchroniser à l'animal en question, qu'il soit là ou non avec vous. Donc soit par le regard s'il est à côté de vous, vous pouvez vous connecter à lui, vous synchroniser à, si je puis dire, à son énergie, à son rythme, à son être. Ou sinon, si l'animal n'est pas avec vous, eh bien vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être laisser venir une image derrière vos paupières closes de l'animal en question. Soyez connecté à lui, synchronisé à lui, par la force de votre intention et de votre imagination. Et puis une fois que vous êtes bien connecté à l'animal, vous allez faire comme si, et mettre l'intention que, eh bien que tout ce qu'il ressent va passer temporairement, le temps de cette expérience, au travers de vos sensations, au travers de vos filtres à vous, c'est-à-dire de vos sensations corporelles, de vos pensées, si je puis dire, des images qui peuvent vous venir, des mots qui peuvent venir spontanément. Et il n'y aura pas à chercher à interpréter, chercher un sens ou quoi que ce soit. Juste laisser venir, accueillir le phénomène qui vient à votre conscience pendant la pratique. Donc les yeux ouverts ou fermés, selon votre cas, pleinement connectés à l'animal. On va d'abord prendre des informations. C'est la partie de l'EFT qui s'appelle le ciblage, en fait. On va adapter à l'animal avant de passer ensuite au tapotement des 15 points de l'EFT. Donc, connecté à l'animal, les yeux ouverts ou fermés, je vous invite déjà à accueillir les sensations physiques qui vous viennent là maintenant, quand vous êtes connecté à l'animal. Sensations physiques agréables ou désagréables, peu importe. Juste percevez ce qui vous vient spontanément comme ressenti. Que ce soit, j'en sais rien, quelque chose au niveau de votre gorge, ou de votre ventre, ou de votre tête. Que ce soit une tension physique, un battement de cœur, un tremblement ou toute autre chose, juste vous accueillez pour vous cette ou ces sensations physiques, comme si elles venaient de l'animal. Et mettez vraiment l'intention que l'animal vous envoie, vous transmet les sensations, là où les sensations physiques en lien avec sa problématique à nettoyer, à travailler. Et si rien ne vient, c'est OK. Soyez-y simplement connecté par la force de votre intention.
laisser venir ensuite, spontanément, l'émotion la pire liée à la problématique de l'animal. Sachant que c'est peut-être une émotion, que ce soit du stress, de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût ou autre chose. Laissez venir la première émotion qui vient. Ne cherchez pas à savoir si c'est une émotion qui appartient en premier lieu à l'animal ou à un humain de son entourage. Juste accueillez la première émotion qui vient que vous sentez reliée à la problématique de l'animal. Comme si c'est lui qui vous l'envoyait. Laissez aussi venir une image spontanément associée à la problématique de l'animal. C'est peut-être juste une image de l'animal lui-même, quand il vit sa problématique, peut-être d'une souffrance ou d'un comportement ou autre. Ou peut-être une toute autre image, peut-être en lien avec des personnes de son entourage, de son environnement ou autre. Laissez venir, si une image vient bien sûr, une image, comme si c'était l'animal qui vous envoyait une image en lien avec sa problématique. Autre élément du ciblage, laissez venir, si je puis dire, une pensée négative, un mot, une phrase en lien avec la problématique de l'animal. Soit quelque chose vous vient là comme ça spontanément, il n'y a pas à chercher de sens, de logique ou quoi. Soit peut-être que vous pouvez, peut-être que sinon il y a une phrase comme j'en sais rien, cette situation me stresse, c'est bloqué pour moi, ce souvenir m'encombre, me parasite. Voilà, ça peut être une phrase comme ça ou quelque chose qui n'a rien à voir. Si c'est finalement une problématique liée à l'humain, peut-être que c'est une phrase comme « je suis triste pour mon humain » ou « je ressens la peur de mon humain ». Et puis enfin, dernier élément de ciblage avant de procéder au tapping, au tapotement des points de EFT par procuration. Entre 0 et 10, si 10 était l'intensité maximum, la pire, prenez la mesure de là où vous en êtes, là, quand vous êtes connecté à l'animal, sur sa problématique. Êtes-vous à 5 d'intensité sur sa problématique, à 8 sur 10 ? Si un chiffre qui vient, vous le laissez venir. Ensuite, réouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Et restez connecté à l'animal et à sa problématique maintenant. Et je vais vous inviter à répéter à voix haute ou dans votre tête comme vous voulez, une série de phrases que je vous invite à adapter à ce qui vous est venu là spontanément dans ce ciblage. En restant vraiment connecté à l'animal, c'est un tapping de EFT par procuration pour l'aider à se libérer. Donc vous allez pour cela tapoter sur le tranchant de l'une de vos mains, c'est le point karaté en EFT, main droite ou main gauche, peu importe. Et vous allez répéter ce bout de phrase. On va d'abord dire quelque chose de très générique. Vous parlez comme si vous étiez l'animal. Même si j'ai ce problème, je suis un super animal. Vous pouvez maintenant dire une phrase un peu plus spécifique. Je vous invite à compléter les blancs dans ce que je dis. Même si j'ai cette problématique émotionnelle, et là vous nommez l'émotion, associé à tel comportement, tel souvenir, ou telle situation qui se passe dans ma vie ou dans la vie des personnes de mon entourage, ou tel problème de santé. Et que je ressens telle sensation physique dans mon corps associée à tout ça. Peut-être une tension,
dans le ventre, dans la gorge, dans la tête ou ailleurs. Et que j'ai cette image associée à ça, une image de l'animal, de son entourage ou autre. Je vous laisse compléter. Je suis un super chien, chat, cheval ou autre. Vous adaptez. Et on va continuer la ronde de tapotement EFT. Vous restez toujours synchronisé à l'animal. Vous tapotez le sommet de la tête ici. Et vous répétez, on va reprendre quelques éléments du ciblage. Toujours comme si vous étiez l'animal. Cette émotion que je vis, vous pouvez nommer spécifiquement l'émotion en question. Vous tapotez maintenant le début du sourcil, côté droit ou gauche, ou les deux, ici. Donc sur vous, comme si en restant connecté à l'animal. J'ai oublié de préciser au cas où, si jamais la problématique de l'animal vous affecte particulièrement vous, émotionnellement, faites d'abord une ronde de tapotement d'EFT sur vous, avant de faire la ronde par procuration pour l'animal. Ceci afin que vous soyez mieux disponible pour l'expérience. Donc si jamais il y a besoin, appuyez sur pause sur cette vidéo, suivez ma vidéo de pratique guidée de l'EFT pour les humains, puis revenez à la suite de cette pratique. En attendant, on passe au coin de l'œil, un certain point qu'on peut tapoter en silence, hein, de toute manière. Mais sinon, on va continuer à reprendre des éléments de votre ciblage. Ce comportement associé à ma problématique, ce souvenir, cette émotion, ce problème de santé, là vous adaptez. Tapotez ensuite sous les yeux ici comme ça. Cette image, s'il y a une image pour vous, associée à mon problème. Tapotez ensuite d'une main sous votre nez. Les sensations dans mon corps, les sensations que je ressens en lien avec ce problème. Tapotez ensuite d'une main dans le creux de votre menton, et pourquoi pas si c'est pertinent, les sensations que ressentent là où les personnes autour de moi, en lien avec mon problème, les sensations, les émotions. Puis tapotez ensuite le point indice sous la clavicule ici. L'émotion que je ressens en lien avec ce problème. Puis tapoter le point sous la poitrine ici. Toutes les sensations dans mon corps en lien avec ce problème. Puis tapoter sous les bras, comme ceci. Voilà. L'image associée à ce problème. Puis le coin du pouce, main droite ou main gauche, à la base de l'ongle. La situation que je vis en lien avec ce problème. Ou la situation que vit mon humain, qui est peut-être indirectement liée à mon problème. Puis le coin de votre index maintenant. Toutes les sensations dans mon corps en lien avec ce problème. Puis le coin du majeur, la pensée négative, la phrase négative que j'ai en lien avec ce problème, s'il y en a une. On saute l'annulaire, on passe directement au petit doigt. Toutes les sensations dans mon corps en lien avec ce problème. On revient au tranchant de la main, le point karaté, cette pensée négative, cette phrase négative en lien avec mon problème. Le dernier point, le point de gamme, et je vous propose cette phrase-là pour ce dernier point. Je lâche et je laisse partir tout ça. Je m'en libère. Ou je m'ouvre à la possibilité de mieux m'en libérer là maintenant. Voilà pour la ronde de base de l'EFT. Surtout, n'hésitez pas à continuer les tapotements, refaire tous les tapotements là maintenant ou un peu plus tard, si vous sentez qu'il y a besoin de continuer à apaiser. C'est pour ça que je tapote directement de nouveau tous ces points.
Voilà, maintenant fermez les yeux, prenez une bonne grande respiration. Vous arrêtez donc de tapoter les poings. Et puis vous pouvez réévaluer l'intensité liée au problème, tel que ça vous vient dans l'instant présent, restant connecté à l'animal, entre 0 et 10. À combien c'est maintenant cette intensité ? Hein, si par exemple tout à l'heure elle était, si 10 c'était l'intensité la pire, est-ce que tout à l'heure vous étiez à 8 ? Est-ce que là vous êtes par exemple redescendu à 1 ou 2 ? Vous accueillez le premier chiffre qui vient, sans chercher une logique. Puis vous réouvrez les yeux. Et si vous sentez qu'il y a besoin de poursuivre le nettoyage, n'hésitez pas à refaire cette ronde de tapotement une ou plusieurs fois. Si besoin, en reciblant. Hein, c'est peut-être que si tout à l'heure il y avait une grosse émotion, j'en sais rien, au niveau de la gorge, peut-être que maintenant c'est comme si c'était juste une toute petite boule. Et bien retapoter en disant, même s'il reste cette toute petite boule, cette toute petite sensation, je suis un super chien. Et vous retapotez ensuite tous les points et vous voyez comment ça libère encore un peu plus. S'il y a besoin. Si ça se trouve, vous allez sentir que c'est déjà tout libéré, tout bien. Ou si ça se trouve, ça fait un lien indirect avec une situation liée aux personnes qui vivent avec l'animal ou pas. Juste vous accueillez ce qui vient. Et vous... Voilà, donc s'il y a besoin d'adapter quelque chose pour l'animal ou travailler quelque chose dans les émotions de l'humain par rapport à tout ça, eh bien, faites en conséquence ce qu'il peut y avoir besoin de faire. Ou refaites le tapping spécifiquement sur l'animal. Vous pouvez le refaire une ou plusieurs fois, aujourd'hui, là, maintenant, ou dans les jours à venir, pour continuer à l'apaiser, si besoin. Encore une fois, le pire qui puisse se passer, c'est rien, aucun changement. Le mieux, c'est que ça libère l'animal ou des personnes de son entourage. Donc, ça mérite d'être testé. Voilà, une fois que vous avez terminé cette pratique, en tout cas, émettez l'intention maintenant ensuite de couper les liens avec l'animal, de vous désynchroniser pour bien, si je puis dire, revenir dans votre corps à vous, dans votre présence à vous. Prenez une bonne respiration, peut-être de nettoyage, hein, pour bien revenir à vous, bien propre, après tout ça, entre guillemets, propre émotionnellement parlant. Voilà, donc c'est une technique qui est peut-être un peu surprenante, mais qui mérite tout à fait d'être testée. Pour voir ce qu'elle peut potentiellement apporter. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur l'EFT, consulter des livres tels que celui-ci, ou pourquoi pas mon livre à moi, Étendez votre zone de confort, c'est un guide pratique, plus pour les humains en fait, même s'il y a un poisson sur la couverture, mais vous retrouvez aussi dedans le protocole de base de l'EFT, appliqué en premier lieu aux humains. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience éventuellement, je vous dis, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais ça mérite tout du moins d'être testé. Découvrez le site de Camille Génicelle de Eden Academy si vous souhaitez en savoir plus sur la formation comportementaliste animalier qu'elle propose. Donc moi j'interviens pour l'accompagnement humain et la gestion des émotions appliquées en partie aux animaux dans cette formation. Voilà, ou consultez mes autres vidéos ou consultez-moi pour une séance ou un atelier en présentiel ou en visio. Voilà, je serais ravie de vous répondre, d'échanger avec vous. Merci à vous, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. À bientôt.